Welkom bij de Itinera Verantwoordingsdag 2021. Mijn naam is Ivan van de Kloot. Ik ben de hoofdeconoom van de denktank Itinera. En vandaag spreken we over het concept verantwoording. Daarvoor hebben we een heel programma. Eerst doe ik een inleiding van het concept. Dan geef ik het woord door aan professor Stefan Rummens, die hoogleraar politieke filosofie is aan de KU Leuven. Vervolgens komt mijn Franstalige collega Jean Hendricks, professor aan de Universiteit Catholique de Louvain en daar ook hoofd van de economische school, in gesprek met Baudouin Meunier, die hoogleraar is aan de Universiteit van Namen en ook ex-directie van Proximus en Bpost. Het concept verantwoording, wel, dat gaat natuurlijk over we geven aan de overheid een heel groot budget en dan is het wel heel belangrijk dat die middelen die ter beschikking gesteld worden ook goed gebruikt worden en dat er daar ook rekenschap voor wordt afgelegd. We kijken daarvoor graag naar het Nederlandse voorbeeld. Daar bestaat een hele traditie ondertussen van wat daar heet de verantwoordingsdag. Dat valt op dezelfde dag elk jaar, de derde woensdag in mei. En dan, op dat moment, leggen eigenlijk alle diensten bij de overheid een soort rapport neer. Namelijk, ze gaan niet enkel de legalistische invalshoek nemen van ja, dit waren de budgetten ons toegekend en dit zijn de gebruikte budgetten. Hebben we ze overstegen of niet gebruikt? Nee, we gaan effectief een stap verder. We gaan ingaan op, daar zijn bepaalde beleidsdoelstellingen geformuleerd. En een jaar later kunnen we evalueren, werden die beleidsdoelstellingen gerealiseerd of niet? En dat heet in Nederland het hele proces van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording. Dus het is niet enkel een soort juridische toets op het gebruik van kredieten, maar het is echt ook het meten van resultaten en ook naar de doelmatigheid. Inzoomen op de verhouding tussen resultaten en de gebruikte middelen daarvoor. Vandaag breng ik even daar een korte introductie over op basis van mijn boek Overheid plus Markt, het beste van beide werelden, waar ik spreek over een belangrijke taak voor de overheid op het vlak van het waarborgen van maatschappelijke belangen. Voor die analyse is het toch wel heel belangrijk om in te zoomen op wat zijn de kerntaken van de overheid. Er is een verschil tussen het waarborgen van de rechtsstaat, landsverdediging, de basisinfrastructuur van het land en allerlei nevenactiviteiten. Dat is bijvoorbeeld een belangrijk thema voor het maatschappelijk debat. Van, is de overheid vandaag niet heel veel met nevenactiviteiten bezig? Dat gaat van tuincoaches tot de befaamde hamstercoördinatoren, terwijl er wachtlijsten zijn voor gehandicapten en basisinfrastructuur soms heel erg verwaarloosd is. Een heel belangrijk concept daarbij is, ja, de overheid wordt geroepen tot een bepaalde rol op het vlak van marktfalen. Als er zonder een overheid te veel vervuiling ontstaat in een land, omdat bedrijven onvoldoende letten op dat fenomeen, ja, dan is het belangrijk dat er een overheid is die dat kan corrigeren. Net zo zijn er vandaag belangrijke uitdagingen rond de platformeconomie. Denk aan de Facebooks en de Googles, dat die in bepaalde gevallen te grote monopolietendenzen vertonen. Wel, dan is er een arbiter nodig die dat corrigeert. En daarvoor kijken we naar de overheid. Dat vertrekt van het concept van het zogenaamde marktfalen. Maar er is natuurlijk ook de mogelijkheid dat de overheid faalt. En dat is een heel belangrijk deel in mijn boek, De overheid plus de markt. Het is geen pleidooi tegen de overheid, maar wel voor een goede overheid. De overheid vergalopeert zich soms. De overheid heeft ook, net zoals in die privaat, soms een te grote focus op de korte termijn, waardoor de grote lange termijn uitdagingen uit beeld verdwijnen. We kunnen discussiëren over bepaalde fenomenen van politieke benoemingen van administraties, waar ook overheidsbedrijven, raden van bestuur bijvoorbeeld, tellen, waar te weinig rekening wordt gehouden met keuze op basis van competentie en eerder op politieke loyaliteit. Er is ook heel het verhaal rond de kabinetten. Een belangrijke hefboom om tot een beter bestuur te komen is een soort maatstaf van waarde voor ons geld.
Krijgen we voldoende waarde voor ons geld? Is er voldoende value for money? Dat betekent een soort efficiëntieoefening. Het gewoon in kaart brengen van wat zijn de middelen die we gebruiken en welke resultaten staan daar tegenover. Dus dat vertrekt vanuit een aantal simpele vragen. Wat gaan we nu doen? Wat gaat dat kosten? En vervolgens hebben we daar nu bereikt wat we beoogd hebben. En heeft dat ook gekost wat we dachten dat het ging kosten? In mijn boek becijfer ik dat voor een aantal domeinen, zoals de openbare orde, maar ook justitie, mobiliteit, gezondheidszorg, dat er objectief kan vastgesteld worden dat er andere landen zijn die op de output, op de resultaten even goed scoren, maar 4% van het nationaal BBP minder middel daarvoor benutten. En dan is er ruimte om het beter te doen. En dat is de essentie van goed bestuur. En ook, we spreken vandaag over relance, het corrigeren of het herstellen van de grote schade na de coronacrisis. Daarvoor zal het niet alleen voldoende zijn om budgetten te spenderen, om investeringen te doen, maar daarvoor moeten we ook inzetten op die verantwoordingsaspecten rond het meten van de realisaties, rond het bijvoorbeeld evalueren van subsidies. Is er een voldoende, steken we gelijk over, zou ik het durven zeggen, we geven soms extra middelen, maar levert dat dan ook resultaten op? En daarvoor zal een goede governance, dus een goede bestuurskwaliteit, essentieel zijn. En dat is voor de relance heel belangrijk. Maar goed bestuur is altijd essentieel. En daarvoor kunnen we concepten gebruiken als is er voldoende rekenschap, bijvoorbeeld via een prestatiebegroting die meer doet dan enkel een ellenlange lijst cijfers opleveren. Kijken we naar de kwaliteit en efficiëntie van overheidsoptreden. En daarvoor is transparantie altijd het cruciale instrument. Dat is mijn verhaal. Wij geven heel graag nu het woord aan mijn collega senior fellow van Itinera, Jean Hendricks, die in gesprek gaat met Baudouin Meunier, professor aan de Universiteit van Namen en ex-bestuurder en direct bij de directie van Post, Bpost en Proximus. Bonjour. À l'occasion de cette journée de la responsabilité publique de 2021, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui sur le plateau le professeur Baudouin Meunier. Alors pourquoi le professeur Baudouin Meunier? Parce que le professeur Baudouin Meunier a participé à une transformation, a accompagné une transformation de deux entreprises publiques majeures dans ce pays, à savoir Bpost et Proximus. Alors nous voudrions avoir un retour sur son expérience et voir dans quelle mesure la manière dont cette transformation s'est opérée pourrait servir à éclairer les discussions qui sont tant nécessaires aujourd'hui pour responsabiliser mieux nos administrations publiques et les orienter dans une logique de résultat afin de rompre avec le passé. La logique du passé, c'est une logique budgétaire et de moyens. Dorénavant, nous devons et nous avons l'obligation d'offrir des résultats aux citoyens qui contribuent massivement au financement de ces administrations publiques. Et dans cette exigence de résultats, eh bien, je pense que nous allons pouvoir comprendre mieux comment il est possible de transformer ces organisations et qu'il n'y a aucune fatalité dans le mode de fonctionnement de ces organisations. C'est un message positif et je suis ravi de pouvoir en discuter avec vous et le professeur Baudouin Meunier. Baudouin. Merci, professeur Hendricks. Il s'agit en fait d'un peu une situation, deux situations historiques. La situation de la RTT qui est devenue Belgacom, qui est devenue Proximus. Je crois qu'on peut, de cette situation-là, de la suivante sur laquelle on viendra après, la Poste devenue Bpost, tirer quand même un certain nombre d'enseignements qui sont toujours valables aujourd'hui. Et je crois que ça vaut la peine parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il n'y a pas de fatalisme. Pour raconter une anecdote, lorsque nous avons commencé l'histoire de, à l'époque, Belgacom, juste après la suppression de l'ancienne administration RTT, sa transformation dans une entreprise publique autonome, nous nous sommes posé la question de savoir quel objectif donner en matière de rapidité de raccordement. À l'époque, il fallait en moyenne dans le pays 4 mois pour avoir sa ligne téléphonique. Or, le formateur du gouvernement à l'époque, Melchior Wathelet Senior, avait promis au public dans son
processus de préparation du nouveau gouvernement de passer à 5 jours pour un raccordement. Et donc ce comité de direction de cette nouvelle entreprise, Belgacom, se réunit pour réfléchir à l'objectif qu'il peut donner au contrat de gestion en matière de rapidité de raccordement. Et nous avons évidemment décidé de faire cela en 5 jours. Le CEO de l'époque, le patron de l'époque, Bessel Koch, a fait le tour de tous les ministres des communications qui avaient précédé. Tous lui ont dit que c'était impossible. Et pourtant, nous avons maintenu cet objectif dans le contrat de gestion. Et nous avons eu la chance de pouvoir dynamiser toute l'organisation autour de cet objectif, notamment. Et effectivement, 5 ans après, les citoyens belges ont eu leur téléphone en 5 jours, comme ça devait d'ailleurs être le cas, puisque les USA, par exemple, connaissaient une telle performance. Ce petit message pour dire que, en fait, beaucoup de choses sont possibles, je dirais, j'ai envie de dire tout est possible lorsqu'on a suffisamment d'ambition et lorsqu'on met les moyens derrière ces ambitions, lorsque l'on veut transformer des administrations publiques ou des entreprises publiques en organisations performantes. Et quand on voit ce tableau, on voit que ce n'est pas seulement la rapidité des délais de raccordement qu'on a transformé, on a réussi à améliorer la productivité du personnel, on a réussi à faire d'une société qui était sans bénéfice, une société qui fait, dernier chiffre publié, à peu près 2 milliards de bénéfices. Et si vous passez à la slide suivante, on a fait la même chose pour La Poste. Ensuite, j'ai été recruté dans la décennie suivante pour accompagner le comité de direction de La Poste. Et on voit là, sur cette slide, les performances évoluer de manière remarquable. Les colis, qui sont aujourd'hui absolument stratégiques, étaient distribués en 4 jours. Ils sont pour 98% distribués maintenant en J+1. Là aussi, on a augmenté formidablement la productivité et on est passé d'une société qui était en perte en 2002 à une société qui fait aujourd'hui presque 500 millions de bénéfices. Alors, j'ai envie de dire, c'est un excellent exemple puisque aujourd'hui, tout le monde connaît les services de La Poste. Avec la crise et le confinement, on se rend compte de l'utilité de ce service. Et je me souviens qu'il y a 10-15 ans, on n'aurait jamais parié sur La Poste, puisque quelque part, son utilité semblait complètement obsolète. Et donc, il faut des gens qui voient suffisamment loin à l'avance pour organiser ce changement. Et donc, j'ai envie de te demander, Baudouin, comment vous avez finalement concrètement opéré, parce que vous partez d'entreprises publiques qui sont un peu, j'ai envie de dire, bloquées, de l'intérieur même comme de l'extérieur. Comment vous avez opéré cette transformation? Quelles sont les étapes de cette transformation? Alors, il y a plusieurs points. Je crois que le premier point, j'y ai fait déjà allusion, c'est la clarification des objectifs qu'on se donne. Le contrat de gestion est un excellent instrument pour y arriver parce que c'est un accord entre le gouvernement et la direction de l'organisation sur ce qui est absolument prioritaire dans des domaines précis où cette organisation se trouve, comme c'était le cas pour Proximus puis Bipost, en situation de monopole. Le monopoleur est souvent paresseux. Il est tout à fait normal donc qu'on se donne des objectifs d'amélioration ambitieux mais réalistes dans ces domaines. Alors, j'ai cité tout à l'heure le cas de Proximus où nous sommes passés à des délais de raccordement qui étaient enfin tout à fait raisonnables. Nous avons aussi installé dans les délais très courts le premier réseau de mobilophonie en GSM. Encore une fois, à l'époque, ces objectifs apparaissaient extraordinairement ambitieux, mais ils ont été tous atteints. Et ils ont été atteints pour une première raison, c'est parce qu'on avait eu l'audace de les fixer ensemble et de les inscrire dans un accord avec le gouvernement. Et je crois que ça, c'est absolument fondamental, et c'est une première condition de transformation, c'est de réfléchir à ce qui est réellement prioritaire et se donner pour objectif, de manière très concrète et chiffrée, d'atteindre certains de ces objectifs en accord avec le gouvernement et aussi avec le support des parties prenantes internes. Le contrat de gestion, nous l'avons, dès le début par exemple, discuté avec les organisations syndicales. – Très bien, donc il faut être ambitieux et oser choisir des objectifs clairs et mesurables. Mais j'imagine que ça ne suffit pas, il faut aussi penser à restructurer l'organisation interne pour l'orienter vers la réalisation de ses objectifs. – Absolument, cette responsabilisation que l'entreprise prend dans son ensemble, il faut essayer de la traduire de manière concrète dans l'organigramme de l'entreprise. Et on voit sur cette slide l'organisation qui avait avant la transformation
le nom du programme de transformation à l'époque a été PTS, People, Teams and Skills, peu importe. Avant cette transformation, on avait une organisation qui était essentiellement fonctionnelle, c'est-à-dire que les différents grands départements représentaient des fonctions à l'intérieur de l'organisation, le réseau, les services à valeur ajoutée, le marketing et la vente, finances, ressources humaines, et d'autre part, une autre dimension très importante, de lourdes directions régionales. Le problème avec ce type d'organisation, c'est que seul le grand patron finalement est responsable du résultat. Tout remonte vers le comité de direction, tout doit être arbitré vers le haut, il n'y a pas de responsabilisation à l'intérieur de l'organisation. Ce qui a été donc changé, ce qu'on voit dans la partie inférieure de cette slide, c'est la nouvelle organisation où on a créé des business units, des divisions orientées clients, grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, clients résidentiels. Et dans ce cadre, on a pu responsabiliser également au niveau de ces organisations et également on a supprimé les directions régionales qui semblait être un espèce de filtre entre les directions centrales et le terrain. Donc, ensuite, si je comprends bien, il faut orienter l'organisation vers l'usager, l'utilisateur, plutôt qu'une orientation interne vers les modes de fonctionnement internes. Tout à fait. Et ça, c'est tout à fait fondamental, c'est de faire en sorte que l'organisation traduit cet objectif d'améliorer, en fait, le service au client. On l'a traduit en ayant trois grandes divisions orientées clients, mais à l'intérieur de ces divisions, on a aussi responsabilisé les entités les plus petites possibles vers le client. Par exemple, une téléboutique était évaluée chaque année en fonction de ses résultats financiers, mais également en fonction de la satisfaction de client que nous mesurions de manière absolument régulière. De la même façon, un account manager, un responsable d'un grand compte de Proximus, était responsabilisé sur les résultats atteints auprès de son grand compte. Et à partir du moment où vous faites ça, le mode de raisonnement change complètement dans l'organisation. C'est-à-dire que les gens commencent à raisonner en termes, cette fois-ci, de résultats et non plus en termes de moyens. C'était dans votre introduction, passer d'une réflexion sur les moyens à une réflexion sur les résultats. On voyait des responsables locaux qui ne disaient plus « moi, j'ai besoin davantage de personnel ». On avait des responsables sur le plan local qui disaient « avec mon personnel, comment puis-je faire mieux ? Comment puis-je atteindre davantage mes résultats ? Comment puis-je être qualitativement meilleur ?» Ce changement complet de raisonnement, on l'a obtenu vraiment très rapidement, en quelques mois, à cause du changement d'organisation et à cause du changement de culture qu'on a essayé de mettre en place. Alors, je suis content que tu parles du personnel, parce que tout le monde comprend bien le rôle central du personnel. On l'a vu avec les soins de santé, c'était finalement la première ligne face à la crise sanitaire. Et donc, on se rend compte que toute cette transformation d'organisation aussi importante que ces deux entreprises publiques nécessite des compétences et le développement de compétences orientées vers la réalisation des objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, comment cela s'est-il passé ? Alors, l'idée fondamentale, c'est d'appliquer un principe simple, qui est de mettre le qui avant le quoi. En d'autres termes, de mettre en toute première priorité le choix des bonnes personnes et la promotion des bonnes personnes aux bons endroits. Et il faut commencer par le top management. Il faut faire en sorte que l'on réfléchisse d'abord à ce qu'au sommet de l'organisation, les meilleures personnes possibles soient choisies pour les jobs pour lesquels ils sont le plus compétents, et sans compromis possible. Et vous vous rendez bien compte que dans ce cas-là, on parle de dépolitisation des choix dans ces entreprises publiques, dans ces grandes administrations. C'est absolument indispensable et c'est la première chose à laquelle on est arrivé, c'est à faire en sorte que les choix soient basés uniquement sur les compétences. Vous commencez par le top, mais vous faites ça pour l'ensemble de l'organisation. Vous recrutez les meilleures personnes possibles. Vous favorisez la mobilité interne pour faire en sorte que par sélection des talents et par promotion, on mette chaque fois les meilleures personnes sur les meilleures opportunités. Dans les deux entreprises publiques dont on parle, Proximus et Bipost, des milliers de personnes ont changé de job. Et elles l'ont changé avec finalement une augmentation très nette de la motivation de ces personnes et aussi de leur performance. Pourquoi ? Parce que ces changements ont été accompagnés. Ils ont été d'abord négociés avec les organisations syndicales et ils ont été accompagnés sur le plan personnel avec des formations appropriées, avec du coaching, avec de l'accompagnement. C'est fondamental. Une entreprise finalement
sa force, ce n'est pas son personnel, une entreprise, sa force, c'est son bon personnel, ce sont les bonnes personnes. Les bonnes personnes aux bons endroits. Très bien, mais donc après avoir réorganisé et avoir mis en place ces mécanismes de sélection des bonnes personnes au bon endroit, ça les gens peuvent comprendre facilement que la qualité des personnes finalement peut déterminer la qualité des résultats, et c'est vrai pour toute entreprise, qu'elle soit privée ou publique, j'ai envie de dire, il y a aussi la question de l'évaluation et de la gestion des ressources humaines. Alors très important en effet, on est arrivé à un système d'évaluation. Alors c'est assez classique, sauf que ce système ici vous est présenté dans cette slide, en mettant le CEO en dessous et les équipes en haut, c'est assez symbolique. Le CEO est présenté comme étant au service du management et le management est présenté comme étant au service des équipes. Et l'autre élément sur lequel je voudrais insister, c'est qu'un système d'évaluation qui part du patron et qui va vers son management et qui ensuite se déploie dans l'ensemble de l'organisation doit s'accompagner pendant toute l'année d'un système d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on peut avoir chaque année un entretien d'évaluation, mais on devrait avoir au moins une fois par mois ce qu'on peut appeler un entretien de progression. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'évaluer les gens, mais il s'agit de les aider à réaliser leurs objectifs. Il s'agit de les écouter, de voir quelles sont les difficultés rencontrées. Il s'agit d'essayer de les aider, de les coacher. Ces dialogues de progression sont fondamentaux et je crois qu'ils ont contribuer de manière très significative à non seulement améliorer les performances, mais aussi améliorer la motivation et la satisfaction de tous les membres du personnel. Ça me semble être un point assez essentiel qui s'applique à beaucoup d'administrations publiques où on rencontre souvent des fonctionnaires qui se sentent bloqués dans leur carrière et où il n'y a pas de retour sur la qualité de leur service, il n'y a même pas de dialogue avec la hiérarchie et ces personnes ont un sentiment d'isolement et terminent les plus compétentes d'entre elles, en tout cas, à quitter cette administration publique aux grandes dames, finalement, de la gestion publique elle-même. Mais tout ça ne suffit toujours pas, j'ai envie de dire. Donc, il nous manque encore, quelque part, certains indicateurs sur vos intentions. Vos intentions, c'est effectivement d'atteindre des objectifs, de réaliser des résultats, mais comment est-ce que vous suivez l'évolution de ces résultats? Comment vous donnez une certaine visibilité sur ces résultats? Alors, ce qui est très important également, c'est la diversification des domaines d'objectifs. Nous devons réfléchir à au moins 4 domaines d'objectifs, comme c'est illustré dans cette slide. Au centre, on a le client. Le client, ça veut dire qu'on va veiller à sa satisfaction, à sa fidélisation. On va donc voir l'évolution de nos parts de marché. On va faire les enquêtes de satisfaction et de fidélité auprès de nos clients. Ça, c'est un élément tout à fait fondamental. Ça ne suffit pas. Il faut aussi mesurer quel est notre impact sociétal. Nous sommes une organisation publique, qu'on soit dans Proximus ou qu'on soit dans Bipost, et on doit tenir compte de notre impact sur notre environnement. Alors c'est d'abord la qualité de service à proprement parler, c'est-à-dire mesurer de manière objective, par exemple pour Bipost, la rapidité de distribution des colis. Je parlais d'un 98% en J+1 tout à l'heure. Mais ça peut être aussi l'impact sur l'environnement. Bipost a mesuré année après année la réduction de son impact négatif sur l'environnement pour arriver à être une société neutre à terme en matière d'impact sur l'environnement. Ça, c'est la partie verte qui se trouve au-dessus de notre triangle. Puis, il y a une partie très importante qui est la partie bleue, qui est le personnel. On mesure de manière régulière la motivation du personnel et on mesure même de manière journalière, d'une manière indirecte, sa motivation par le taux de petit absentéisme. Et enfin, bien entendu, il y a le triangle jaune qui est le triangle des finances. Et on mesure les marges, le profit, etc. de manière assez classique. Très important, cette diversification des objectifs qui peut se traduire tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de n'importe quelle organisation. Je parlais tout à l'heure des téléboutiques qui étaient mesurées non seulement sur le résultat financier, mais également sur le résultat client et également sur leur qualité et la motivation du personnel. Alors le téléspectateur pourrait être un petit peu choqué de voir apparaître le mot profit lorsque l'on parle d'entreprise publique. Il faut quand même savoir ici qu'on parle de deux entreprises publiques qui sont soumises à la concurrence. Donc c'est évidemment un cas particulier. Mais je pense qu'il faut quand même aussi préciser pour que des non-profit secteurs soient aussi soumis à des conditions financières strictes. Parlons des hôpitaux par exemple ou d'autres administrations. Il y a des contraintes d'équilibre budgétaire à respecter et l'argent n'est pas gratuit.
Donc j'ai envie de dire que cette considération-là est tout aussi essentielle pour assurer finalement la faisabilité des objectifs et des missions que l'on s'est fixés. Donc il faut aussi avoir ce regard, j'imagine. Et comme tu travailles aussi dans le secteur hospitalier, peut-être que tu peux nous toucher un mot là-dessus, sur cette exigence en fait, d'équilibre financier. – Tout à fait. Et cette exigence d'équilibre financier dans les hôpitaux peut se traduire de deux façons. D'une manière comptable d'abord, c'est-à-dire qu'il faut que l'hôpital, à la fin de l'année, débouche sur un résultat comptable positif. Mais d'une autre façon, c'est l'équilibre du cash. Chaque année, l'hôpital va réussir à développer des ressources financières grâce à ses activités. Ces ressources financières doivent être suffisantes également pour pouvoir investir. L'hôpital doit pouvoir acquérir des équipements modernes. Arriver à pouvoir acquérir un robot, par exemple, pour faire des opérations beaucoup moins invasives et de meilleure qualité est fondamental pour l'amélioration de la qualité des soins aux patients. Pour pouvoir faire ces investissements, il faut dégager suffisamment de cash. Et donc, c'est un deuxième objectif financier qu'on peut se donner en tant qu'hôpital. Mais même dans une administration publique, on peut avoir des objectifs financiers qui sont traduits de manière très pragmatique, par exemple, par les améliorations de la productivité, par le respect d'un certain nombre de normes comptables, etc. Il y a toujours un volet financier. Et si on essaye de l'oublier, il vous revient au galop, il vous revient au galop par la suite parce que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous avez des problèmes de ce côté-là. Alors, je pense qu'il reste encore une dernière condition, c'est finalement d'oser, si je puis dire, sanctionner pour des mauvais résultats et accepter de récompenser pour des bons résultats. C'est aussi quelque chose qui peut choquer certains téléspectateurs, puisque ce n'est pas tellement dans la culture en fait, de l'administration publique de récompenser pour des bonnes performances. Même parfois, le terme performance, soyons clairs, a une connotation très négative. Alors, en effet, première chose, on en a parlé tout à l'heure, il faut accepter de mesurer les performances. Et deuxième chose, il faut accepter de sanctionner positivement et négativement les performances selon qu'elles ont été réalisées ou pas. Alors, je crois que c'est très important de dire que cela doit être fait au niveau individuel pour le top management, les cadres, les experts, etc., que ça peut se faire par équipe pour les gens qui sont plus sur le terrain et qui nécessairement doivent travailler en équipe. Ça a deux intérêts. Un, on évite de sanctionner des personnes de manière trop stigmatisante. Et deux, on favorise la collaboration au niveau des équipes. Je me souviens par exemple du système de BPOS, qui je crois est toujours d'application aujourd'hui, où l'ensemble des facteurs en fin d'année reçoit une prime unique en fonction des résultats financiers et des résultats en matière de satisfaction et de loyauté des clients. C'est un 13e mois qui peut être tout à fait significatif dans les bonnes années et qui fait que tous les membres du personnel de l'organisation se sentent concernés par la satisfaction du client et par l'atteinte des résultats financiers de l'organisation. Alors, je crois qu'il faut, du côté négatif, accepter aussi de parler licenciement. Alors, le licenciement doit être la dernière étape d'un processus dans lequel on a essayé d'améliorer la qualité de la prestation de la personne, éventuellement dans lequel on lui a donné une deuxième chance via un deuxième job, etc., etc. Ça doit être le recours ultime. Mais je ne crois pas qu'au nom des valeurs de la fonction publique ou du secteur social ou non marchand, on doive refuser cet élément-là parce que le manque de respect qu'on pourrait imaginer avoir pour la personne concernée, en fait, ce n'est pas vrai, c'est tout à fait contrebalancé par le fait qu'en maintenant cette personne dans un job qui ne lui convient pas, on manque de respect pour ses collègues qui doivent compenser la mauvaise performance et pour ses clients qui doivent en subir les conséquences. Donc je crois qu'autant il faut éviter les licenciements pour cause économique, pour restructuration, pour changement, ça c'est extraordinairement important, autant il faut accepter que dans les cas extrêmes, lorsque quelqu'un ne respecte pas des critères minimums de performance ou ne respectent pas les valeurs de l'organisation, manque d'intégrité, manque de respect pour les personnes de manière claire et nette, dans ces cas-là, il faut pouvoir recourir au licenciement. Il ne faut pas refuser cela. L'autre chose, et peut-être un message très important aussi, je viens d'y faire allusion, le licenciement économique doit être quelque chose à éviter à tout prix. Nous sommes dans des organisations publiques et non marchandes. Il faut faire accepter le changement qui est inéluctable, qui doit déboucher sur des améliorations de la qualité de service pour que le personnel adhère à ces changements
Et pour respecter les valeurs de cette organisation, il faut s'engager et respecter cet engagement à ne pas mettre dehors des gens parce qu'ils deviendraient soi-disant inutiles. Il y a un énorme travail à faire dans ces époques de transformation, de reconversion des gens. Il faut les aider à trouver d'autres jobs à l'intérieur de l'organisation qui soient en phase avec leurs compétences. Si vous faites cette promesse-là et vous la tenez, vous allez avoir une adhésion au changement qui va rapporter beaucoup plus à long terme en termes de performance et de motivation du personnel, de satisfaction fondamentale à venir travailler dans cette organisation, que les conséquences négatives à court terme qu'on pourrait avoir en termes de perte de productivité. Merci Baudouin. Donc j'ai envie de terminer par un petit mot de conclusion. J'invite les téléspectateurs à aller parcourir ton ouvrage, qui est vraiment un guide pratique, et je trouve que c'est ce qui est très intéressant avec ton profil, c'est que tu as ce profil académique, tu as démarré ta carrière dans le monde académique, tu finis ta carrière, bon, on finit pas sa carrière parce que de nos jours, on vit beaucoup plus longtemps, j'ai envie de dire, donc les horizons sont encore longs pour toi, plein de projets, j'imagine, mais tu as eu cette expérience pratique et tu as vraiment été un des architectes et tu as suivi ces transformations, donc c'est un discours qui est très positif, il n'y a pas de fatalité, donc c'est la première chose que j'ai envie de dire. C'est généralement une espèce d'impasse dans laquelle on a tendance à se retrouver lorsqu'on parle de responsabilité publique et d'administration publique, c'est que ben, la justice c'est trop compliqué à changer, l'enseignement c'est trop compliqué à changer, changer la police c'est trop compliqué, même la politique, les modes de fonctionnement de notre démocratie sont compliqués. Et donc, un des messages de Stéphane Rumen, c'était qu'il fallait donner plus de visibilité et que la visibilité dans notre démocratie ne se réduisait pas à simplement plus de transparence. En fait, on pourrait trouver plein d'exemples où plus de transparence s'avère être contre-productif. Je pense qu'un excès de transparence est même dommageable. Mais vraiment, pris dans son acception la plus large possible, c'est de rendre visible le lien entre l'action publique, l'action politique et les résultats. Et ton intervention nous montre très clairement qu'il faut aussi reconstruire ce lien, que les gens puissent adhérer simplement au fait de contribuer au denier public et au service public en voyant mieux le lien, le résultat, les conséquences de leur contribution sur la qualité des services publics qui sont proposés. Et donc nous vivons une période très difficile qui exige de nous adapter, de nous transformer. Je pense que la révolution digitale n'est qu'une des parties de cette force. Je pense qu'il y a au-delà de ça aussi une révolution véritablement démocratique en tant que telle. Les gens veulent vraiment avoir un droit de regard sur le mode de fonctionnement de nos organisations publiques et ne tolèrent plus des politiques qui sont exclusivement budgétaires. Ils veulent savoir à quoi servent ces politiques et quels sont les résultats de ces politiques. Je pense que ton message est très clair, il est positif en une période difficile et je pense que l'on peut tous s'engager sur cette voie-là d'une logique de moyens vers une logique de résultats. Merci beaucoup, Baudouin. Merci beaucoup, Jean. Ik geef nu heel graag het woord aan een deskundige die zijn stuk van de problematiek uitdiept. En dat is, zoals eerder gezegd, Stéphane Rumers. Hij is hoogleraar politieke filosofie aan het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte aan de KU Leuven. Hij onderzoekt de werking van onze parlementaire democratie en de problemen die deze vandaag kent. In 2016 publiceerde hij het boek Wat een theater, politiek in tijden van populisme en technocratie. Aan u het woord, professor Rumes. Ik wil vandaag een wat breder perspectief innemen op het probleem van verantwoording. En ik wil dat doen door te gaan kijken naar de rol van de representatieve democratie. Of meer in het bijzonder, wat is de rol van de partijpolitiek? En die partijpolitiek die heeft natuurlijk vandaag niet altijd een al te beste naam. Heel vaak wordt er wat smalend gesproken over het politieke theater dat onze politici opvoeren in de media. Wel nu, wat ik zou willen beargumenteren vandaag, is dat dat politieke theater wel degelijk een essentiële rol speelt in onze democratie en wel degelijk ook een noodzakelijke voorwaarde is om een goede verantwoording over het gevoerde beleid mogelijk te maken. En dus wil ik in eerste instantie uitleggen hoe het politieke theater, en dan moet je echt denken aan de strijd tussen politici in de media, ze gaan met elkaar in discussie op televisie, op de radio, in de kranten, dat politieke theater op een unieke manier zichtbaarheid geeft aan het beleid. En die zichtbaarheid is essentieel. Waar gaat het over? Wel,
als een minister bijvoorbeeld een bepaalde beleidsbeslissing genomen heeft, een belangrijke beleidsbeslissing, dan wordt ze doorgaans uitgenodigd in de televisiestudio om haar beslissing te komen toelichten. Tegelijkertijd krijgt de oppositie of krijgen andere partijen meestal ook de kans om te reageren. Zij zullen kritiek uitoefenen op het beleid van de minister. Zij zullen aangeven welke particuliere belangen daar eventueel mee gediend wordt, ten koste van andere belangen. De oppositie zal bijvoorbeeld ook komen met een alternatief. Als wij het hadden mogen beslissen, dan hadden wij iets anders gedaan. Je krijgt met andere woorden, in dat politieke theater krijg je een soort heen en weer, een discussie tussen verschillende partijen, tussen meerderheid en oppositie, op zo'n manier dat wij als kijker, als burger, een idee krijgen van wie wat beslist heeft. Niet alleen wie heeft wat beslist, maar ook waarom een bepaalde beslissing genomen is. We krijgen via de oppositie ook een idee van welke alternatieven er eventueel geweest zouden zijn. Dus in dat heen en weer ontstaat op een unieke manier een soort zichtbaarheid van het beleid. Het beleid wordt belichaamd door heel concrete, herkenbare politici, politici op wie wij ook kunnen stemmen bij de verkiezingen, zodat het voor ons als burger min of meer duidelijk is van wie, welke politicus staat voor welke beleidsbeslissing, welke politicus staat voor welke alternatieve beleidsvoorstellen. Die zichtbaarheid is van belang, omdat het op die manier ook structuur en focus kan geven aan een breder publiek debat. Wij zijn niet alleen passieve toeschouwers. Als wij kijken naar dat politieke theater, wij kunnen beginnen meediscussiëren. Wij kunnen dat doen in het publieke debat. Wij kunnen dat ook doen via allerlei middenveldorganisaties. Wij kunnen vanuit dat publieke debat reageren, een oordeel vormen en signalen ook terugsturen naar die politici. Maar het is belangrijk dat dat publieke debat structuur en focus krijgt. Dat we weten welke discussies we nu met z'n allen samen gaan voeren. Dat we weten ook welke beleidsmakers we moeten targeten, op wie dat we ons moeten richten als we als burger, als middenveldorganisatie op het beleid willen wegen. Dus dat is die idee van zichtbaarheid die tot stand komt op basis van dat publieke debat op basis van dat politieke theater. Wel nu, waarom is die zichtbaarheid zo essentieel? Wel, ik geef hier op zijn minst drie belangrijke redenen waarom die zichtbaarheid zo belangrijk is. Drie belangrijke functies, rollen, die de politieke strijd in de media zal helpen vervullen binnen ons democratisch systeem. En de eerste gaat effectief over verantwoording. Verantwoording in de misschien wat engere zin, waar we het vandaag hier ook willen over hebben. Verantwoording over het beleid dat gevoerd is. Een soort retrospectief perspectief, waarbij we gaan kijken van die politici, welke beslissingen hebben ze genomen en waren dat de goede beslissingen. Via die partijpolitiek is het zo dat politici kwetsbaar zijn, is het zo dat politici een hele goede motivatie, incentive hebben om ervoor te zorgen dat ze beleid voeren waarvoor ze achteraf inderdaad verantwoording kunnen opnemen, kunnen uitpakken met kwaliteitsvol beleid. Omgekeerd is het zo, via het electoraal mechanisme opnieuw via de partijpolitiek, dat de oppositie er alle belang bij heeft om de zwakke plekken in het gevoerde beleid zichtbaar te maken. Om aan het brede publiek, om aan ons als kiezers duidelijk te maken van kijk, die en die beleidsmakers die zijn daar in de fout gegaan. En als u volgende keer op ons stemt, dan zullen wij het op die en die manier anders doen. Dus omwille van de incentive-structuur die samenhangt met dat electorale mechanisme, zullen politici gemotiveerd zijn om zo goed mogelijk beleid te voeren. Zal de oppositie gemotiveerd zijn om slechte resultaten, slecht beleid ook bloot te stellen, ook naar buiten te brengen in dat publieke debat. Ten tweede, responsiveness. Ja, de gedachte dat het beleid inderdaad moet aansluiten ook bij de verwachtingen van de burger. Meer naar vooruitkijken, eerder prospectief. Er wordt soms gezegd dat
onze representatieve democratie een systeem is waarbij burgers maar één keer om de 4 of 5 jaar iets te zeggen hebben op het moment van de verkiezingen. En dat tussen die verkiezingen door, dat de burger eigenlijk monddood gemaakt wordt. Dat hij niet kan participeren aan het beleid. Critici van de representatieve democratie zijn snel geneigd om dat soort argumenten te ontwikkelen. Wel nu, dat is manifest onjuist. Via dat publieke debat, dat mogelijk is omwille van dat politiek theater, kunnen wij als burger, als individuele burger of als georganiseerde burger via dat middenveld, kunnen wij voortdurend druk zetten op onze beleidsmakers. Er is zoiets als de publieke opinie, die voortdurend in beweging is, een soort collectief debat, een collectief leerproces, van waaruit wij voortdurend signalen geven naar onze politici en waarvoor onze politici wel degelijk, ook tussen de verkiezingen door, steeds erg gevoelig zijn. Ja? En dus dat geënsceneerde politieke theater en dat bredere publieke debat speelt daar een cruciale rol om die permanente wisselwerking tussen politiek en burger mogelijk te maken. Een derde cruciale functie gaat over politieke identificatie. In een politiek systeem is het van groot belang dat mensen de legitimiteit van de genomen beslissingen en de legitimiteit van het systeem zelf wel degelijk blijven erkennen. En zeker voor mensen die het oneens zijn met het beleid dat vandaag door de meerderheid gevoerd wordt, is dat geen evidente zaak. Waarom zou ik de legitimiteit van het beleid moeten erkennen of van het systeem überhaupt, als ik mij niet kan vinden in het beleid dat gevoerd wordt? Wel nu, daar speelt dat politieke theater opnieuw een cruciale rol, in de zin dat op het politieke toneel ook leden, partijen van de oppositie staan. Dat zijn dus partijen, politici, die een stem kunnen geven aan het ongenoegen van een deel van de burgers. Een stem kunnen geven aan die burgers die het oneens zijn met wat er beslist is. En op die manier zullen die burgers toch het gevoel hebben dat hun stem ook vertegenwoordigd is, dat die gehoord wordt, en kunnen zij de hoop koesteren dat, na een volgende verkiezingen, eventueel hun standpunt een meerderheidsstandpunt wordt. Ja. In dit verband, dat is nu niet het centrale onderwerp van vandaag, maar in dat verband wijzen politicologen er terecht op dat populisme allicht hier een belangrijk deel van haar succes vindt. Populisme gaat erover dat wanneer burgers niet langer het gevoel hebben dat hun kritiek en hun ongenoegen op het politieke toneel goed vertolkt wordt, geen plaats krijgt binnen het politieke systeem, dat de populisten zich dan keren tegen het politieke systeem zelf. En dus we moeten zorgen dat die partijpolitieke mechanismes, dat goed werkt om die identificatie te garanderen. Dus zichtbaarheid, cruciale rol binnen ons democratisch systeem. Belangrijk is dat zichtbaarheid niet hetzelfde is als louter transparantie. Als we het hebben over de transparantie van het beleid, dan wil dat zeggen dat op een of andere manier inderdaad publiek toegankelijk is welke beslissingen genomen zijn door wie, op basis van welke argumenten. Dus transparantie is een essentiële voorwaarde voor zichtbaarheid, maar volstaat op zich niet. Het is niet omdat de verslagen van de vergadering van een of andere orgaan, beleidsorgaan, publiekelijk toegankelijk zijn, in de zin dat je die eventueel online kan raadplegen, dat verslag ook meteen zichtbaar is. Mensen, gewone burgers, hebben niet de tijd om die verslagen te gaan nalezen. Dat is niet efficiënt. Er is een soort taakverdeling nodig. En opnieuw daar speelt dat electorale mechanisme, die partijpolitiek, een cruciale rol. Waarom? Net opnieuw omdat de oppositie, de critici van het gevoerde beleid, er alle belang bij hebben om dat werk voor de burger te doen. Om die verslagen effectief na te lezen, om op zoek te gaan naar de zwakke plekken in het gevoerde beleid en om dat dan vervolgens naar buiten te brengen. Om dat dan te vertalen naar het publieke debat, naar de publieke sfeer. Die vertaalslag die moet gebeuren en opnieuw, ons electoraal mechanisme biedt daar unieke mogelijkheden toe. Dus transparantie is noodzakelijk, maar is nog geen zichtbaarheid. Daarvoor moet het naar buiten komen. En dus het electorale mechanisme is daar belangrijk, maar uiteraard zal dat ook maar werken als de media effectief bereid zijn om
die debatten om de critici het woord te geven. En hier zitten we met een cruciale rol voor de media, een rol die de media al bij al naar behoren vervult. Maar, belangrijk, de media heeft ook goede redenen om dat te doen. Waarom wil de media dat politieke theater brengen naar de burger? Wel, ik denk twee redenen. Ten eerste, er staat iets op het spel. We weten dat de oppositie van vandaag kan de meerderheid van morgen zijn, dat kunnen de machthebbers van morgen zijn. Het gaat over wie de macht heeft in een samenleving. Er staat in dat debat tussen meerderheid en oppositie, in dat politieke theater, staat er veel op het spel. Dus vandaar dat burgers, ook kijkers, ook geneigd zullen zijn om te luisteren. Ten tweede, heel belangrijk ook, die politieke strijd, dat politieke theater heeft een soort theatrale kwaliteit die eigenlijk heel goed aansluit bij de logica van de media. Als de media een groot publiek willen bereiken, als ze een groot publiek willen boeien, dan is het van belang dat er iets gebeurt. Dan is het van belang dat standpunten en beleid dat genomen is, beleidsmaatregelen, beleidsvoorstellen, niet gewoon droog gepresenteerd worden. Nee, we hebben herkenbare politici nodig die dat komen doen. Ja, die dingen komen voorstellen, die zich komen verantwoorden. En we hebben ook die structuur nodig, een soort strijd tussen voor- en tegenstanders, zodat er een interessant conflict kan ontstaan. Spelers tegenover elkaar, de politieke scène die op een interessante manier naar de burger gebracht kan worden. Dus dat is de mediatisering die ook essentieel is om die zichtbaarheid te garanderen. Een vierde element is het middenveld. Ik heb het daar net al gezegd. De burger speelt wel degelijk een rol in heel dit proces. Is degene die niet gewoon passief toekijkt, maar die wel degelijk kan reageren, die eigen verwachtingen kan formuleren, die kritiek kan formuleren. De burger kan dat als individuele burger doen. Maar veel vaker zullen wij ons organiseren via VZW's, buurtgroepen, vakbonden, allerlei werkgevers- en werknemersorganisaties, noem het maar op. Heel ons rijke middenveld speelt daar een rol in het helpen zichtbaar maken van het beleid, in het op een zichtbare manier organiseren van een publiek debat over het beleid dat gevoerd wordt. Dus zichtbaarheid, cruciale rol binnen ons democratisch systeem, maar ontstaat maar onder bepaalde voorwaarden. En dat noodzakelijk is, al die voorwaarden, dat die zichtbaarheid essentieel is, kunnen we verder illustreren aan de hand van een aantal belangrijke voorbeelden, denk ik, die politiek relevant zijn op dit moment, om te laten zien dat er situaties zijn waar, als de zichtbaarheid te beperkt is, als het beleid onvoldoende geënsceneerd wordt op het politieke publieke toneel, dat dan ook de verantwoording die wordt afgelegd door politici over het beleid dat ze voeren, dat die sterk verzwakt wordt. En het eerste van de drie voorbeelden is een zeer belangrijk, denk ik, dat is de Europese Unie. Het probleem met het Europese beleid, bijvoorbeeld het beleid dat gevoerd wordt door de Europese Commissie, is dat het doorgaans heel weinig zichtbaar is. Europese politiek blijft voor ons als burger een ver van ons bedshow. Blijft een heel anoniem gebeuren. Wij gaan die Europese politici eigenlijk zelden of nooit ervaren als dat zijn onze politici die ons vertegenwoordigen. Ja. Er zit daar een enorm tekort aan zichtbaarheid. Dat volgens mij alles te maken heeft met een gebrekkig electoraal mechanisme op Europees niveau. Het klopt dat wij wel een Europees parlement mogen kiezen, dus er zijn Europese verkiezingen, maar de link tussen die verkiezingen en het beleid dat uiteindelijk in de Europese Commissie gevoerd wordt, die link is veel te zwak. De Commissie is geen regering die aangeduid wordt door het Europees Parlement om het beleid van een meerderheid in het Europese Parlement uit te voeren. Zo werkt het niet. De Europese Commissie is nog altijd een erg technocratisch orgaan waarvan de leden op voordracht van de lidstaten worden aangeduid. En dat betekent bijvoorbeeld als je Europees commissaris bent en je voert een bepaald beleid en je hebt de ambitie om een tweede termijn te doen als Europese commissaris, wel,
anders dan een gewone minister, heb je er eigenlijk weinig of geen belang bij om je beleid te gaan verdedigen in de media. Want uiteindelijk zijn het niet de Europese kiezers die over jouw lot zullen beslissen. Je moet opnieuw, wil je opnieuw commissaris worden, voorgedragen worden door je eigen land. Dus je moet vooral zien dat je goed blijft liggen bij je eigen nationale regering, bij je eigen nationale partij. Dus er is daar geen incentivestructuur om het beleid zichtbaar te maken en dus wij als burger worden geconfronteerd met beleid dat anoniem blijft, dat het niet zo duidelijk is voor ons hoe wij, wie wat beslist heeft en dat het voor ons ook heel onduidelijk is hoe wij mensen electoraal kunnen belonen of afstraffen voor het Europese beleid dat ze gevoerd hebben. Denk deze dagen bijvoorbeeld aan het Europese vaccinatiebeleid. Daar zijn heel duidelijk fouten gebeurd. Europa doet het veel slechter dan een aantal andere landen, zoals de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. Het blijft wat onduidelijk wie is daar nu precies verantwoordelijk. Maar vooral blijft het ook heel erg onduidelijk voor ons als burger, als kiezer. Wie of wat kunnen wij daar electoraal voor afstraffen? Hoe kunnen wij zorgen dat het in de toekomst beter gaat? De normale electorale mechanismes die ontbreken hier. Een tweede voorbeeld dat ik kort wil geven is dat van de lotocratie. Critici van de representatieve democratie verdedigen soms het idee van geloten burgerjuries ter vervanging van het parlement. Laat ons willekeurig een aantal burgers uitloten die dan voor ons wetten zullen maken. Het probleem daarmee is, met dat voorstel, dat dat opnieuw zou leiden tot een heel onzichtbare besluitvorming. Zelfs als de bijeenkomsten van die burgerjury transparant zouden zijn, als we daar verslagen zouden van krijgen van wat daar gebeurt, dan nog wordt dat niet zichtbaar gemaakt. Omdat die burgers die daarin zitten op geen enkele manier verplicht zijn of gemotiveerd zijn om wat zij daar doen in de pers te komen uitleggen. Dus je kan dat als media moeilijk enceneren, dat is oninteressant. En als burger, ja, als daar een beslissing uitkomt uit zo'n burgerjury, ja, wie heeft die beslissing genomen? Wie gaat daar verantwoording voor dragen? We hebben niet de mogelijkheid om mensen electoraal te belonen of te bestraffen voor wat daar gebeurt. Ook middenveldorganisaties staan machteloos, want als zij willen ijveren voor een bepaalde positie, voor een bepaald belang, voor een bepaalde groep die onvoldoende aan bod komt, ja, bij wie zou je moeten gaan je zaak bepleiten? Er zijn geen duidelijke verantwoordelijkheden. En de burgerjury is net zo gemaakt dat dat soort invloeden wordt afgeschermd. Dus al die voordelen die we zien van de zichtbaarheid en van de representatieve democratie, die worden daar onderbroken. Dus de representatieve democratie vervangen door een systeem van pure loting zou denk ik een zeer slecht idee zijn. Heel kort, het laatste voorbeeld, de Belgische federale ruimte. Wel, ook daar zitten we met het probleem dat omwille van de twee gemeenschappen, of de drie gemeenschappen, zo je wil, dat we in België zitten met een manke verantwoording. Politici, ministers in de federale regering die van de andere gemeenschap zijn, zullen zelden naar de studio's gaan, de tv-studio's gaan van de andere gemeenschap om hun beleid te verantwoorden, omdat ze daar toch niks te winnen of te verliezen hebben. Hun kiezers zitten maar aan één kant van de taalgrens en dus zullen zij zich niet snel verantwoorden publiekelijk voor wat zij doen aan de andere kant. En dus in België, en omwille van het ontbreken van een federale kieskring, want dat is denk ik wat er nodig is om daar, dat is geen mirakeloplossing, maar dat is een begin van een oplossing. Zo'n federale kieskring zou er kunnen voor zorgen dat politici zich opnieuw moeten verantwoorden ten aanzien van heel de politieke ruimte die ze vertegenwoordigen. En dan zouden we kunnen beginnen proberen om de situatie waarin we nu zitten, dat we eigenlijk zitten met toch twee sterk gescheiden publieke debatten, sterk gescheiden publieke sferen in dit land. Ook daar voor al die mechanismes die zo belangrijk zijn, verantwoording, responsiveness en identificatie, is die situatie niet gezond. Dat electoraal mechanisme sluit niet goed aan bij de groep van mensen waarvoor mensen beleid voeren. En dus zouden we ook daar institutioneel moeten ingrijpen om die zichtbaarheid
te vergroten. Dat zijn drie voorbeelden, denk ik, die hopelijk kunnen illustreren waar ik naartoe wil met die notie van zichtbaarheid, waarom dat meer is dan louter transparantie en waarom de partijpolitieke dynamiek, die natuurlijk vaak bekritiseerd wordt, en er is terecht ruimte voor kritiek. Dat politieke theater is soms van hele slechte kwaliteit en we moeten daar nadenken over manieren om de kwaliteit van dat theater te verbeteren, waarbij veel spelers een belangrijke rol spelen. Maar we mogen niet de fout maken om te denken dat we naar verantwoording kunnen zonder dat partijpolitieke spel, zonder dat politieke theater op onze publieke ruimte. Voilà. Dat is wat ik wou meegeven. Dank u wel, professor Reumers. Een helder betoog.